Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. On continue le tour d'horizon des armes et aujourd'hui on va parler du fusil-arbalète léger. Une arme à distance, assez mobile, avec pas mal de possibilités quand même, un gameplay qui reste assez nerveux parce qu'il va falloir bouger constamment. Avant d'attaquer le gameplay, le fusil-arbalète léger, comme son homologue lourd, dispose d'une particularité. Déjà, c'est les types de munitions, vous en avez plusieurs, qui ont des effets différents, qui sont en quantité limitée, donc il faut éviter de rater le monstre, mais ça c'est comme tous les tireurs. Vous pouvez switcher très facilement en fait entre les munitions, et par contre, là où c'est assez important, c'est que l'attaque phyloptère va changer de touche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le ZR classique, puisque normalement avec les armes de mêlée c'est ça, c'est ZR pendant le combat, quand vous êtes dégainé. Là, vous ne pourrez pas, puisqu'en fait ZR, truc, ça vous permet de tirer quand vous avez l'arme dégainée. Du coup, ça va passer sur ZR. Et ça change tout, parce que ZR, c'est aussi la roue de truc du matériel là, pour les raccourcis rapides. Donc, il faut faire attention à maîtriser un petit peu le truc. Au début, c'est pas forcément évident. Vous allez un peu vous rater, mais une fois que vous aurez pris le jeu en main, vous verrez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est parti, on part sur le gameplay. On est parti pour la présentation du Lightbowgun, comme on dit en anglais. Alors, les munitions, plusieurs types, qui ont des effets différents, qui sont plus ou moins puissants, toujours en quantité limitée, donc attention à ne pas faire n'importe quoi avec. Vous allez avoir la possibilité de changer de type de munitions très facilement, c'est assez intuitif, vous voyez, ça se fait vite, vous pouvez changer de munitions à la volée comme ça, vous pouvez les recharger aussi relativement vite. Le truc, il va falloir apprendre un petit peu au début à manipuler les commandes, c'est-à-dire entre les types de munitions, le phyloptère aussi qui est inversé par rapport aux autres armes et tout, ça prend un tout petit temps d'adaptation, mais une fois que vous l'avez en main, franchement, ça vient relativement vite et après vous êtes complètement efficace avec cette arme. Donc, au niveau des coups, vous aurez bien sûr toutes les munitions et compagnie et vous allez avoir aussi un petit coup en mêlée qu'il ne faut pas négliger parce que l'air de rien, il peut faire de bons petits dégâts. Ça sert aussi à étourdir les monstres, donc c'est pas mal pour quand vous les chopez dans la tête. Le petit coup en mêlée, pareil, il bénéficie d'une mini esquive, c'est-à-dire que quand vous allez donner le coup en mêlée, derrière vous allez faire une esquive et ça ne sera pas une roulade, ça va faire une petite esquive latérale en fait. C'est-à-dire vous tapez, hop, et petite esquive, vous voyez. C'est différent de la roulade classique en fait que vous effectuez normalement. Donc ce petit coup en mêlée, utile à placer quand vous pouvez. Après on va avoir les deux coups au phyloptère. Alors vous allez avoir un premier coup qui vous prend deux. Hop, vous vous rapprochez de l'adversaire et là, bam, et vous balancez une grosse explosion. Franchement, il est hyper sympa comme coup. Moi, je le kiffe, ce truc-là. Et le deuxième, qui est un coup qui vous permet de vous déplacer très rapidement. En fait, regardez, hop là, une esquive aérienne. Derrière, vous pouvez donner un coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est un coup qui est aussi très utile pour vous sortir de situation épineuse. Vous avez après le super coup. Alors, vous appuyez sur A, hop, vous plantez une espèce de mine. Si le monstre marche dessus, boum, il prend des dégâts. Et si vous tirez dessus, ça fait des dégâts. On va voir que concrètement, je peux tirer dessus 5 fois avant que ça disparaisse. Et ça, c'est énorme quand vous le placez près du monstre ou sur la tête du monstre quand il est à terre et derrière vous l'atomisez. On est parti, démo en direct donc contre Nazureos. Pour commencer, je vais failer magistralement mon coup à deux phyloptères. Vous voyez, hop, je vais trop loin et bam, un coup dans le vide. Ça, voilà, c'est l'histoire de fixer le cadre du truc à une arme que je ne maîtrise pas forcément. Et derrière, voilà, je vais enchaîner les tirs. Alors, globalement, c'est vraiment du positionnement. Il faut rester à bonne distance. Il ne faut pas aller trop loin parce que si vous êtes trop loin, vous le verrez, les tirs vont faire vraiment zéro dégâts. Vous allez taper à 1, donc ça ne sert à rien. Il faut toujours maîtriser la distance. C'est-à-dire qu'une arme à distance, ce n'est pas pour être à 50 km et faire des dégâts en mode super safe. Non, il faut rester près quand même du monstre. Là, vous voyez, j'ai placé donc mon attaque à deux phyloptères. Ça me permet de monter le monstre. De là, on va aller un petit peu se faire plaisir avec. Et concrètement, c'est une arme qui va vraiment se jouer sur le positionnement. Il faut connaître bien sûr les attaques des monstres. Il faut se tenir à distance, mais pas trop si vous voulez rester efficace pour votre équipe. Et après, il va falloir jouer sur les statuts. C'est-à-dire utiliser les bons statuts contre les bons monstres. C'est surtout ça en fait. Et c'est une arme qui au final, vu que vous allez avoir peu de temps mort, puisque concrètement voilà, vous pourrez toujours esquiver un petit peu les attaques et tout ça, vous pourrez toujours faire des dégâts. Alors ça sera moins violent que des attaques de mêlée qui vont faire des combos hyper violents. Mais par contre vous allez pouvoir faire des petits dégâts hop, sur la durée. Et au final vous ferez autant de dégâts que les autres. Et en plus vous poserez les statuts. Donc c'est une arme qui est relativement intéressante. Après le gameplay est complètement différent. C'est vrai que comparé au mêlée c'est moins flashy quoi. Voilà, concrètement on va pas se mentir. Maintenant je vais vous laisser voir un petit peu le gameplay. Vous voyez là j'ai commencé à mettre tricard au pauvre monstre à terre et on va voir que l'air de rien l'arme elle fait quand même de bons dégâts puisque la pauvre bestiole elle meurt relativement vite. Voilà pour cette présentation du fusil arbalète léger, j'espère qu'elle vous a plu. Perso, c'est pas une arme que je joue énormément, mais j'aime bien la jouer de temps en temps. Après, comme toutes les armes à distance, je trouve que c'est un peu fade parce que c'est assez répétitif, un peu plus que la mêlée, je dirais. Par contre, là, avec Rise, le fait d'avoir ajouté les coups au philoptère, le coup qui se rapproche et bam, vous foutez un gros coup dans la gueule du monstre, je le trouve très sympa et j'aime bien arriver à le placer. Alors, c'est pas forcément évident, c'est pas le but de placer à tout prix ce coup-là, mais ça rajoute un petit côté punchy à cette arme, donc voilà, c'est très très bien. Ça reste une arme qui est relativement forte, hein, l'air de rien, parce que le fait de pouvoir jouer avec tous les statuts, ça vous offre une grande variété de possibilités. C'est assez rapide, vous êtes très mobile, vous n'êtes pas en mêlée, donc vous pouvez quand même arriver à faire de bons dégâts sans être trop gêné par les combos du monstre, du moment que vous gérez bien votre distance et vous ne prenez pas de coups, parce qu'encore une fois, vous êtes beaucoup plus fragile en fait que mêlée. Mais une fois maîtrisé ça, franchement, c'est une arme qui peut faire aussi de très très bons dégâts. C'est juste la répétitivité du truc et le gameplay distant, ça plaira pas à tout le monde dans tous les cas. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.